Sébastien Agus, bienvenue sur Sonit FM. Tu as participé et remporté notamment la saison de X Factor en 2009. Tu as participé à la comédie musicale 1789 Les Amants de la Bastille. Tu as présenté un premier album chez Sony Music et un single inédit, ce qui nous tient juste avant l'été avec notamment la participation de Fauve. Et tu nous présentes aujourd'hui ton nouveau single. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fred, tu vas bien? Oui, impeccable, impeccable. Bon, super. Alors c'est Sébastien Agius, hein. Ah, Agius, oui. C'est pas le premier, mais au moins, voilà, comme ça. Alors justement, peux-tu nous parler de ton nouveau single donc qui est sorti depuis lundi sur la radio? Eh bien écoute, je suis assez fier de ce nouveau titre qu'on vient de sortir, parce que il représente bien le travail qu'on a pu effectuer avec toute l'équipe. Autour d'un son assez assez pop et avec des influences
diverses. Et puis surtout, voilà, un texte surtout en français. Et donc voilà, c'est le thème, c'est bon, pas mal l'éloignement de l'autre. Il y a beaucoup de voyages aussi qui revient dans cet album, mais toujours voilà avec des sonorités assez modernes, assez pop. Voilà, et puis avec effectivement toute cette belle équipe avec qui je travaille depuis maintenant quelques années. Et donc, est-ce qu'il y a un projet justement d'un nouvel album? Est-ce que ce single est la marche pour enclencher l'album? Est-ce qu'il est déjà prêt? Alors, on est en train de travailler tout à fait sur la suite de l'album, donc avec des titres vraiment ressemblant à From China, ou en tout cas qui restent dans cet univers. Vraiment, on est en train d'affirmer un peu plus à chaque fois le son pop. En tout cas, on est en train de bien le dessiner sur cet album. C'est vraiment, on est en plein dedans. Là, on a tous les titres. Maintenant, on travaille vraiment sur la finalisation des réals. Et certainement, on va recevoir cet album pour le printemps 2015. Ouais. Printemps 2015, ouais, d'accord. Ouais. Et tu as été donc en tournée aussi cet été avec Roxane Le Texier pour le Liberty Tour. Ouais, tout à fait. Y a-t-il de nouvelles dates qui vont poursuivre pour cet automne, ou là, vraiment, tu te concentres sur ton album? C'est vrai que je fais souvent plusieurs choses à la fois. Et l'occasion de Liberty Tour, c'était vraiment une occasion de faire un petit peu un road trip en musique, d'aller à la rencontre des fans aussi qui attendaient ça aussi depuis un certain temps, parce qu'on pouvait pas aller, on peut pas forcément aller dans toute la France à la rencontre des fans. On peut que le faire en tournée, donc c'est ce qui s'est passé pendant 1789. Mm-hmm. Et là, du coup, on s'est dit, c'est l'occasion, comme on voudrait aller un peu dans le sud. On a commencé à prévoir quelques dates, et puis à la base on devait faire ça vraiment pour le fun, et au fur et à mesure les organisateurs, tout ça, ils ont commencé à nous encadrer de plus en plus, et ça a vraiment donné lieu à une véritable petite mini-tournée en fait dans 6 ou 7 villes différentes. Donc ça a plutôt bien fonctionné, on a eu plein de super échos, on a eu des très très belles images. On est en train de de finaliser aussi le montage de différents épisodes, donc qui sont diffusés sur Internet, sur le blog, tout ça. D'accord. Pour que les gens puissent suivre justement tout le périple et ce à quoi en quoi consistait ce Liberty Tour justement. Et effectivement, il y avait la musique, mais il y avait aussi cette rencontre avec les gens dans plein de corps de métiers différents, et surtout voir la réaction des gens. On parle le langage de la musique, les choses se détendent plus vite, et c'est vrai qu'il y a. C'était très intéressant vraiment et enrichissant. Et c'est vrai que te voir sur scène, moi je l'ai vécu et j'ai eu d'énormes retombées suite à ta première partie de Michael Miro au Cargo à Caen au printemps dernier. Les retombées suite à cette première partie étaient vraiment excellentes. Et voilà, c'est vrai que te voir sur scène donne aussi un côté un peu plus rock, un peu plus peps forcément que sur album. Quels sont, toi, Sébastien, tes coups de cœur musicaux actuels? Est-ce qu'il y a des artistes, des titres actuellement que tu aimes plus que d'autres? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? C'est vrai que j'ai beaucoup de têtes dans la musique, donc je sais pas, les dernières, vraiment les gros tubes que j'ai aimés, c'était Chandelier de Sia. Oui. J'ai adoré. J'aime bien. Dernièrement, j'ai découvert, je peux pas faire d'erreur, je crois que c'est Asgher. Oui, Asgher, oui. Voilà, donc j'aime bien, il y a un petit qui s'appelle Torrent, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc j'aime bien ça. J'adore Imagine Dragons, Coldplay, après il y a des groupes que j'écoute, même s'ils n'ont pas une actualité, enfin en ce moment, ils ont sorti encore des nouveaux titres. Et c'est vrai que c'est le genre de groupe que j'aime bien, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup Sébastien d'avoir pris quelques temps pour passer sur notre antenne de Sunit FM. Nous on va écouter ton single donc dès maintenant, il est sorti lundi, From China with Love. On attend l'album avec impatience et puis te revoir très prochainement à Caen. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt. Salut et merci Sunit FM. Sunit FM.
Merci beaucoup Sébastien Agius, ce nouveau single que l'on a découvert depuis lundi, hein, déjà en playlist sur notre radio. Merci d'avoir accordé quelques instants à Sonit FM et à très très vite, on aura des nouvelles très prochainement.